Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la petite vidéo pour vous dévoiler le thème du mois d'avril de notre colo en commun. Si vous ne savez pas ce qu'est le colo en commun, c'est tout simplement qu'à tous les mois, je choisis un thème et ceux qui veulent participer, c'est pour le fun, il n'y a rien à gagner, c'est juste pour le fun. Ceux qui veulent participer font un coloriage sur le thème que j'ai choisi et ensuite ils viennent sur ma page Facebook. Le lien est sous la vidéo de la barre d'infos. Je vous mets toujours le lien direct où vous devez poster votre colo, donc ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Vous venez sur ma page Facebook, il y a une publication ancrée et vous postez votre coloriage en commentaire. Si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez tout à fait me le poster, participer sur Instagram. Vous le postez sur votre compte normal et mais pensez par contre à me taguer, histoire que je reçoive une notification pour aller voir votre colo. Et ce mois-ci, mes amis, c'est super spécial, c'est méga spécial, c'est extraordinaire spécial. Je suis trop contente de vous dire que ce mois-ci, le colo en commun sera en collaboration avec ma bonne amie Zazou en couleur. Si vous ne connaissez pas Zazou, je vous mets son lien sous la vidéo dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne après la vidéo. Elle fait des trucs absolument magnifiques. Et en plus, elle est drôle, elle est géniale, donc on passe toujours un bon moment avec Zazou. Donc, on a pensé que ce serait le fun de faire le thème du mois en collaboration et je vais tout vous expliquer. Ce ne sera pas plus compliqué qu'avant, ne vous inquiétez surtout pas, je fais toujours tout pour que ce soit le plus simple possible. Donc, le thème du mois pour moi, ce sera créatures nocturnes et je vais vous montrer des exemples de ce que vous pouvez faire comme créature nocturne. Donc, je vous l'ai dit, c'est en collaboration avec Zazou. Zazou, elle aura, elle, également son thème. Je ne veux pas vous le dire son thème, je la laisse vous le dévoiler elle-même, parce que sinon, ce ne serait pas drôle. Mais, par contre, ce qui est important à savoir, c'est que, comme je veux que ce soit tout à fait simple, vous pouvez tout à fait participer à mon thème, mais ne pas participer au thème de Zazou. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire deux colos, là. Non, c'est juste une collaboration, le fun. Ce serait le fun de voir deux colos, un pour chaque fille, moi et Zazou. Donc, mais vous pouvez faire mon thème à moi et ne pas faire celui de Zazou. Ou le contraire, vous pouvez faire le thème à Zazou et ne pas faire le mien. Il n'y a aucun souci, pas de jalousie. Là, c'est pour le fun. C'est le fun, c'est tout. Donc, mon thème créature nocturne. Et je vais tout vous expliquer. Ça peut être des créatures qui existent autant que des créatures imaginaires, d'accord? Et pour, si vous voulez faire les deux thèmes, vous faites le mien, vous faites celui de Zazou, et que vous voulez les poster tous les deux dans mon album pour mon thème, vous pouvez tout à fait, là, je ne vais pas vous dire, ben non, ça c'est pas mon thème, tu me mets pas ça là. Non, pas de problème, il n'y a rien de compliqué. Si vous participez aux deux thèmes, vous pouvez poster sur ma page Facebook en commentaire où je vous ai dit, et vous pouvez également poster celui que vous aurez fait pour Zazou. Zazou, elle le fait sur Facebook, sur son groupe, d'accord? Zazou vous expliquera où poster. C'est pas mon rôle ici. C'est Zazou qui va vous expliquer ça. Mais sachez que si vous participez aux deux thèmes, vous pouvez tout à fait poster vos deux colos dans mon album. Il n'y aura aucun problème là-dedans. Je veux que ce soit clair et je veux que ce soit simple. Donc, voilà. Créatures nocturnes, mes amis. Réelles ou irréelles. J'ai fait plusieurs sélections que je vais vous montrer tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de faire ces colos-là. C'est simplement des exemples. Le thème se déroule du 1er au 30 avril. Mais si vous n'avez pas fini à temps, il n'y a aucun problème encore. Ici, pas de stress. Moi, je mets une date uniquement parce que après, je change de thème le mois d'après. Mais si vous le finissez en retard, c'est pas grave. Vous pouvez quand même le poster. Il n'y a aucun problème. Tout est simple avec moi. Tout est simple. Donc, dans le Mythical Maiden and Curious Creature de Annaline, vous pouvez tout à fait faire une vampire. Parce qu'une vampire, c'est une créature nocturne. Donc, vampire, ça fonctionne. Loup-garou, ça fonctionne. C'est une créature nocturne qui se... Est-ce que j'en ai d'autres là-dedans? Je crois que non. Mais bon, loup-garou, vampire, ça fonctionne.
Ça, c'est des créatures qui n'existent pas dans la vraie vie, mais ça fonctionne parce que c'est des créatures nocturnes imaginaires. Ça fonctionne tout à fait. Dans le Fragile World de Kirby Roseanne, vous pouvez me faire une chauve-souris. Si vous avez des chauves-souris, mais pas dans celui-là, vous n'êtes pas obligé de faire celui-là. C'est juste des suggestions. Chauve-souris, c'est une créature nocturne. Ça fonctionne très bien. Hibou, chouette. Ça fonctionne très bien. Il y en a-tu un autre là-dedans? Hamster. Vous savez, tout ce qui est rongeur, là, comme des hamsters, des souris, des rats, ça fonctionne très bien. Ce sont des petites créatures nocturnes. Vous pouvez également faire des chats, parce que les chats vivent beaucoup la nuit, en fait. Ensuite, dans mon Dark Fantasy de Jade Summer, j'en ai trouvé aussi. Bon, ici, on a encore un vampire. Ça fonctionne. Une autre vampire, toujours ça fonctionne. Loup-garou, toujours ça fonctionne. Est-ce qu'il y en a un autre là-dedans? Oui, il y en a d'autres. Qu'est-ce que j'ai choisi d'autre? Fantômes. Des fantômes, c'est souvent la nuit qui sont actifs. Donc, ça fonctionne avec les fantômes. Ça, je sais pas c'est quoi cette créature, mais d'après moi, c'est une créature nocturne parce qu'on a la lune ici. Ensuite, dans les Anna Carlson, il y a beaucoup, beaucoup de créatures nocturnes que vous pouvez faire. J'ai pas trouvé des exemples pour tout parce que j'ai pas vérifié dans tous mes livres, mais vous pouvez faire des insectes également. Les insectes de nuit, comme bon, des araignées, ça sort beaucoup la nuit. Des papillons de nuit, ça sort beaucoup la nuit, vous voyez? Donc voilà. Ensuite, on a un renard. Moi, je sais que les renards sont très actifs la nuit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai mis sorcière. C'est pas à proprement parler une créature nocturne, mais quand on les voit dans les émissions ou les films, souvent ils ont plus de pouvoir la nuit. Donc, sorcière, ça fonctionne. Ensuite, j'ai mis des loups. Oui, des beaux loups la nuit. C'est parfait. Ensuite, des hiboux, des chouettes. Voilà. J'ai fait une liste, en fait. Je vais tout vous dire ce que j'ai mis sur ma liste. Vous voyez, ici, on a des rats. Ce sont des créatures nocturnes, ça fonctionne. Ça, ce n'est pas des papillons de nuit, mais des papillons. Vous pouvez faire des papillons de nuit, il n'y a aucun souci. Juste un instant. J'ai mon plastique qui essaie de s'emballer, là. Voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Les chats, vous voyez, les chats, c'est des créatures beaucoup assez nocturnes. Scorpions, moi, je pense que les scorpions, ils sortent surtout le soir. Donc, voilà pour ça. Je vais prendre ma petite liste. Parce que j'ai peur d'en avoir oublié, parce que ça, ce ne sont que des exemples, comme je vous disais. Donc, j'ai écrit papillon de nuit, renard, hibou, raton laveur. Hein? On le sait, là. Les ratons laveurs, ça sort la nuit. Des moufettes aussi, ça sort la nuit. Loup-garou, vampire, insecte, rat, souris, hamster, chat, chauve-souris. Et j'ai remarqué insectes. Il faut croire que j'aime les insectes. Non, je ne les aime pas. Mais bon, ben, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Donc voilà mes amis, j'avais tellement hâte de vous faire cette vidéo. J'ai eu cette idée pour créatures nocturnes. J'étais toute excitée. Donc voilà, moi j'ai trop hâte de faire ce colo. J'ai pas encore. J'ai une petite idée de quel je vais choisir. C'est dans un de ceux que je vous ai montré là. Mais peut-être que je vais changer d'idée. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc voilà mes amis, c'était pour mon thème du mois. Et je vais vous mettre sous la vidéo dans la barre d'infos le lien vers la vidéo de Zazou, si vous voulez également participer à son thème. Comme je vous dis, je vous dis pas le thème, c'est un secret. Vous allez devoir aller voir la vidéo, pardon, de Zazou pour voir son thème. Et elle va tout vous expliquer, elle aussi. Elle va, normalement, elle devrait vous expliquer que vous pouvez faire mon thème à moi et le sien, ou un seul des deux, et vous, enfin, Zazou va tout vous expliquer comme moi je l'ai fait. Mais pour moi, c'est pas compliqué. Vous faites votre colo. Vous venez sur ma page Facebook. Le lien est sous la vidéo de la barre d'infos. C'est le lien direct. Je n'insisterai jamais assez. Donc, ne vous cassez pas la tête à chercher ou poster. Vous suivez mon lien et vous êtes au bon endroit. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon thème. Est-ce que mon thème vous intéresse? Et là, je suis certaine qu'il y a plein d'autres créatures nocturnes que je ne vous ai pas montrées ou à quelles je n'ai pas pensé. Et j'ai super hâte de voir quelle idée vous allez avoir eue pour créatures nocturnes. Dites-moi en commentaire si vous avez l'intention de participer. Si vous me dites oui, mais que vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de stress ici.
C'est no stress, les amis. Je pense que j'ai tout expliqué. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas pensé à répondre, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Il n'y a pas de problème, je vais vous répondre. Vous pouvez également faire des humains, hein, des personnages. Parce que les humains sont tout à fait... Il y en a qui vivent beaucoup la nuit, il y en a qui vivent beaucoup le jour. Donc, les humains, ça fonctionne pour créatures nocturnes, ça, il n'y a aucun souci. N'importe qui peut participer. Il n'y a pas de niveau qui tienne, que vous faites du colo depuis des années ou que vous aviez commencé hier. Aucun problème. Tout le monde a le droit de participer. Je pense que j'ai tout dit. J'ai peut-être oublié des choses. Ça m'arrive à chaque vidéo, mais comme je vous ai dit, si j'ai oublié quelque chose, demandez-moi-le en commentaire. Je vais vous répondre. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez en faire un, vous pouvez en faire deux, vous pouvez en faire trois. Vous en faites autant que vous voulez. Il n'y a aucune limite. Matériel, livre de colo, c'est à vous de décider. Ça peut même être du Disney. Donc, vraiment, il n'y a pas, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de restrictions, vraiment, à part que... respecter le thème créature nocturne. Donc voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas mon pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.